Re-salut à vous les narlots de la queue de détente. On va enlever le casque, on va se faire une coupe à l'agent Eudes. Comme vous l'avez compris, et oui, elle est enfin là. Cette putain de levier sous garde que j'attends depuis je ne sais pas combien de temps est enfin entre mes mains. Elle a juste une tête de fou. Alors, un Lara et Picatinny, d'autres modifications vont venir par la suite. Pour l'instant, l'aspect financier ne me permet pas de le faire. Il y aura un garde-main, etc. Pas mal de choses qui vont venir se greffer dessus. Mais en attendant, on va la tester comme ça. Ça va être ses premières munitions. Aucun réglage n'a été fait dessus. Les bastos sont là, toutes neuves. Donc, du 44, ça ressemble à ça. Hein, d'accord. Vous avez vu par rapport au 357. Donc, je vais vous mettre là. Avec moi, tranquillement. Et on va essayer de taper du gong à 40 mètres, d'accord? Alors, quoi vous dire? C'est beau. C'est beau parce que ça fait un moment que je l'attends. Magnifique. Elle a vraiment une sacrée gueule. Full inox, lamellé collé, graze, big loop. Avec de la paracorde, elle a juste une tête de fou. C'était vraiment un coup de cœur. C'est une Rossi Puma, hein, bien sûr, évidemment. J'aurais préféré une Big Boy Henry, mais introuvable, indisponible, très long à l'attente. On verra par la suite. Mais alors là, les gars, je vous le dis honnêtement, je suis comme un enfant, quoi. Ok. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alimenter. Donc comment on alimente? Je suis tout seul pour filmer, pardonnez-moi. Alors, on vient mettre ça ici comme ça, et on vient mettre les bastos une par une. Là, toi, tac. Et tu pousses avec l'autre, derrière, hop. Tac. Tac. On va commencer par lui mettre 5-6 bastos déjà. Déjà 5, ça va être pour la chauffer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal, déjà 5 pour la chauffer. Ok. Alors on est parti, let's go. J'espère juste que j'aurai assez de batterie pour vous fournir du contenu parce que là, je commence à être à court de batterie. On va tirer sur les gongs de gauche. En espérant que ça filme assez longtemps. Le petit casque. Ça, on va le virer, ça sert à rien. Ouais. Lunettes de protection. Et premier tour de ma nouvelle bestiole. Ok. Allez, on va voir si ça touche. Si je suis trop haut, trop bas, trop. Comme on peut dire. Je sais pas si vous allez bien me voir. On va mettre la carabine, vous en foutez un peu de ma gueule, je pense. On va essayer le gong de gauche. Alors je m'y adapte juste, hein, d'accord. Dans la gueule. Ok, donc je suis un peu haut, faut que je fasse quelques réglages. Ok, donc on va lui faire quelques réglages. Qu'à cela ne tienne. Ok, on va retenter le coup. On va lui remettre 5-6 bastos. Ah, qu'est-ce que c'est plaisant. Oh, je vous jure, ça faisait un moment que j'attendais celle-là. Hein. Elle est enfin là. Hein. D'ailleurs, ce sera le titre de la vidéo. Elle est enfin là. Ma petite, ma précieuse. Alors, j'avais déjà eu une 44 sous garde. Une Chiappa, là. Mais c'était pas pareil. Bon, on va essayer de toucher un gong quand même, qu'on soit pas des nanars.
Ça, on en touche pas, c'est con quoi. Là, je touche que dalle là. Ah, c'est bon, j'ai compris. Allez. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, on va voir nos premiers shoots. C'est parfait. Par contre, ça vole dans tous les sens. C'est bon, on en a eu un. On va voir les autres maintenant. T'inquiète. Qu'est-ce que c'est beau. Ce système-là est dingue. Ah, je vous le dis. Hein. On est reparti pour un petit test. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. J'ai pris un petit peu mes visées et mes marques avec cette nouvelle petite carabine qui va très très bien d'ailleurs. Et on va essayer de toucher du gong. Ok. Tout à l'heure, j'y arrivais pas parce que bah, j'avais pas ça encore. Et là, on va pouvoir armer et y aller. Ok. Allez, c'est parti. Let's go. Sur ma tête, l'alouette. Allez, on en renvoie 5. Ça va très très bien cette machine là. Ok, je commence à bien l'avoir en main. Va falloir que je fasse quelques réglages, hein, ce qui est tout à fait normal. Je vais tomber un gong d'ailleurs, il faudra que je fasse gaffe. Que je prévienne là-bas, parce que bon. Je vais essayer de toucher le petit à gauche après là. Il y en a un tout petit là-bas là. Allez, on continue sur les autres. On est à 40 mètres hein, pour info. Ok. Eh ben écoute, j'en suis complètement ravi. Vraiment, j'adore. Je suis complètement fan. C'est vraiment un bon bébé. Hein. Réellement, réellement très très bien. Allez, on recommence. Très très bon. Je vais décaler l'appareil photo sur la droite. Et on va essayer de les avoir là-bas, sur la droite. Ok? Ah, quel bel achat, Mika! Ah, c'est pour ça qu'il faut soutenir la chaîne! Putain, c'est bon, ça! Elle n'est pas réglée, hein. Je vous raconte pas quand elle va être réglée, celle-ci. Hein. Ça va être un bonheur. Le tout petit en bas à droite. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Oh, bah! Merde, il est tombé aussi, ce con! Ok. Ça va ou quoi toi, jeune délinquant? Ah, j'ai démonté des gongs, j'en ai perdu deux ou trois au passage. Ça va? Attention, ça s'arrache, ça, mon pote. Ton. Ça l'est réglé.
Moi, je vous laisse sur ces petites images. On va la peaufiner, on va faire des meilleurs réglages. Et puis, bah, je vous tiens au courant de la suite. N'hésite pas à t'abonner. Tu as tous les liens en description, comme d'habitude. Les liens Maxi Protect, les codes de réduction. Rejoins-nous sur Discord et sur Facebook. Viens partager ta passion avec nous. C'est super intéressant. Et n'hésite pas à soutenir à la chaîne et souscrire si tu le peux. Ok, je te remercie. Je te dis à plus. Tchuss.